Je suis un âne batté. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un âne il est batté? C'est parce qu'il est têtu, il veut pas avancer, il écoute pas ce qu'on lui demande de faire. Mais la différence à l'heure actuelle entre un âne batté et moi, c'est que lui au moins il peut marcher. 200 pas par jour, on est où là? Eh ouais, mon frère, le confinement a tout niqué. Attends, avant le confinement, je m'obligeais à faire minimum 8000 pas par jour, histoire d'être, tu vois, un petit peu élancé, de pouvoir porter des maillots de foot, tu vois, près du corps, avoir une démarche un petit peu sexy, une silhouette attirante, comme un certain Robert Lewandowski. Bah là, à l'heure actuelle, BAM! Ça m'a coupé l'herbe sous le pied, comme ça. Vraiment, depuis début février, j'allais à la salle, j'étais chaud, tu vois. Je ne ratais aucune séance, 2 à 3 par semaine, j'étais bien, je faisais souvent les jambes. Attends, j'allais même dans mon bloc-notes iPhone et je notais mes progrès, s'il te plaît. Les poids que je faisais sur certains exercices, etc. Développé couché, 40 kilos sans compter la barre. Pas mal, non? Ouais, c'était un petit progrès, tu vois. Squat, 30 kilos. Aïe aïe aïe. Deadlift roumain. Bon, on n'est pas là pour faire une vidéo de la salle. Vous savez pourquoi je dis que je suis un âne batté? Parce que je suis têtu. Moi, pour pouvoir faire quelque chose, il faut que j'y engage mon honneur, ma pride. Tu vois, qu'auprès de personne, je dise je vais faire ça. Comme la semaine dernière, je vous ai dit prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne, c'est un top 1. Et j'ai sorti un top 1. Donc là, je vais vous dire le calendrier des vidéos qui va sortir cette semaine. Comme ça va m'obliger à en faire une que je fais traîner depuis 1000 ans. Ça fait un mois que j'ai un vlog de Prague, tu vois. Vous vous rappelez ma vidéo Cracovie que vous avez bien aimé avec ma meuf et tout? Hein, surtout parce et ma meuf, vous êtes des bâtards, vous. Bon, vous l'aviez bien aimé, hein, rien à dire. Et je dois faire pareil pour Prague. J'y étais allé un mois avec des potes. La vidéo est super cool. Mais sauf qu'il manque la voix off. Parce que je vais refaire le format voix off que vous avez bien aimé. Et mon monteur, vous pouvez lui demander, il va vous témoigner. Hein. Je lui dis, je te l'envoie demain. Depuis 2 semaines. Oui, je suis un connard. J'ai la flemme. Donc là, je vais vous dire le calendrier des vidéos cette semaine. Ce soir, bah, vous êtes sur la vidéo déjà. Bande de cons. Mercredi, Warzone. Vendredi, Best of Radio Libre 2. D'ailleurs, vous avez kiffé le premier, même s'il n'y a pas eu des vues de dingue. Vous avez adoré, le concept était sympa. Je vous invite, hein, je vous la mets en petite fiche là comme ça. Ça dure 20 minutes, c'est super lourd. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et dimanche, enfin, vlog de Prague. Comme ça, je me suis engagé. S'il sort pas dimanche, vous avez le droit. J'en sais rien. Vous pouvez m'enculer, sincèrement. Bon, aujourd'hui, on va aller sur Modern Warfare 2, les frères, c'est parti. C'est parti! Alors oui, c'est vrai, j'ai pas attendu le confinement pour retourner m'amuser un petit peu sur MW2 ou autre jeu sombre dans le style, tu vois. J'ai toujours kiffé MW2. En plus, ça, c'est la version PC, là, le IW4X que je vous avais dit. Et quand j'avais fait des vidéos sur IW4X, je me rappelle que vous m'aviez souvent demandé comment on télécharge, etc. Parce que je vous avais vendu le jeu comme gratuit. Et c'est vrai, il est gratuit. En gros, IW4X, c'est une version PC qui demande même pas beaucoup. Tu sais, d'avoir un PC, t'as allé où pour pouvoir y jouer, c'est archi lourd, tu vois, rien, pour pouvoir faire des trucs comme ça. Aïe. Ah, le petit hélico. C'est une version gratuite, donc vous savez quoi, cette fois je vais un peu vous aider, je vais y mettre du mien. Je vous mets dans la description le lien qui va vous permettre de télécharger IW4. Alors oui, c'est en anglais, si tu biterais en anglais, je suis désolé. Hein. Oh, je peux pas non plus te mettre ton propre slip, frérot. Hein. Je peux pas te torcher le cul non plus, moi je t'aide dans la mesure du possible. Attends, mais c'est quoi cet hélico là? Oh, la marine là, faut partir, monsieur. Je suis un gamin, je suis pas un sniper. Ouh, let's go. Vous avez vu ou pas? C'était marqué stop camping. Attends, il y a un message stop camping. J'avais 10 secondes pour bouger, sinon ça allait me tuer, pardon. Genre là, le jeu me considère comme un... Bah, il a raison. Franchement, il a raison. J'avoue, j'ai campé. Ah non, c'est bien ça. Vous voyez, un petit MW2 modé, encore meilleur que l'original. Sans les défauts, ça ne peut pas camper. Sinon, c'est le serveur qui te tue, tu te rends compte? Donc non, voilà, il est gratuit, n'hésitez pas à aller vous amuser avec vos potes. Hein. De toute façon, avec le confinement, on essaye de passer le temps comme on peut. Frère, je passe 14 heures par jour sur le PC. Hier, j'ai passé 10 heures du matin à 3 heures. Je sais pas ce que les pronostics prévoient pour moi, mais c'est pas très rassurant, je vous l'assure. Hein. Allez, un petit kill. On va prendre le sniper après, juste là, on est en train de prendre la sale sauce, là. C'est horrible. En plus, t'es obligé de bouger dans la maison, cette fois, tu vois, parce que bon. On va dire que les mitrailleurs hélico... C'est globalement très peu friendly, quoi. Alors là, il m'a tué, là. Oh, la nuque. Oh, la nuque. Oh, la nuque. Oh, je prends la nuque, c'est la honte. Oh, je prends une nuque en vidéo. Oh, mon Dieu, c'est même pas moi qui la mets. Nuque dans la merde, Zach. Bon, du coup, comme je disais, 14 heures par jour sur le PC, attention, c'est n'importe quoi. Je sais que du coup, ça peut faire des vocations. Par exemple, il y en a qui ont profité du confinement pour découvrir des nouvelles séries, des trucs comme ça. Par exemple, c'est mon cas. J'ai commencé... Alors, attends, on va essayer de faire un petit kill avant. Et oui, monsieur. Moi, j'ai commencé Jojo Bizarre Adventure. Alors, Jojo Bizarre Adventure, ça fait un moment qu'on me le conseille, et franchement, lourd. Hein. Après, My Hero Academia, j'aime bien. Hein. Ah, ça y est, hein.
À l'époque, j'y connaissais rien en animé, maintenant j'ai regardé à peu près tous les classiques. Hein. J'avoue, tu vois, avec le temps supplémentaire qui s'est offert à moi, j'ai hésité à me mettre à One Piece, tu vois. Mais franchement, quand j'ai vu que dans One Piece, ce personnage-là, c'était une terreur, non, j'ai pas pu. Franchement, j'ai pas pu. J'ai pas pu donner de crédibilité à un anime. Ouh ! À un animé où il y a des girafes qui se tapent et des bonhommes comme ça qui sont vraiment des terreurs. Alors certes, je rate un truc. Parce que tu vois, One Piece, il y a 500 000 000 d'épisodes. C'est ça qui est lourd. 500 000 000 d'épisodes, tu te fais jamais chier. T'en as toujours pour toi. Et je m'y mettrai sûrement un jour. Et quand je m'y mettrai, je suis sûr et certain que je fermerai mon claque-merde et toutes les vieilles critiques que j'ai pu formuler là. Non ! J'allais avoir mon arrière, je suis con ! Bon, il y a également Narcos Mexico saison 2. Qui est absolument exceptionnel. En fait, Narcos Mexico saison 1 et 2. Hein. Le reportage est fin, bref, tu vois, du lourd. Attention d'ailleurs, sur Netflix, le 1er avril, il y a la saison 2 de Sunderland Till I Die qui sort. Si vous n'avez toujours pas regardé, je vous le conseille. Voilà, c'est les petits conseils de Zach pour le confinement. Je me rappelle, j'en avais parlé un petit peu dans Popcorn de Domingo, où j'étais arrivé, j'avais fait une petite chronique. L'émission Popcorn qui est d'ailleurs super lourde. Hein. Oh, le gamin. Oh, le gamin. Oh, le CRS. Mais non, t'as pas le droit. Monsieur, je t'ai montré mon attestation. Pourquoi tu me tues avec un C4? C'est pas cool. Vraiment, quand il m'a invité à Popcorn, Domingo, il m'a dit, ouais, viens faire une petite chronique sympathique qui fait pas forcément penser au coronavirus, un truc un peu décalé. Bah, je me suis exécuté, monsieur. Tu crois quoi? Il y a la rediff sur sa chaîne replay, hein, si vous voulez aller voir. Ça a parlé investissement sombre. Ça me rappelle aussi que j'adore ces genres d'émissions, tu vois. C'est vraiment trop ma cam. Et d'ailleurs, je peux plus faire 5 en roulis pendant ce temps-là. Vraiment, je suis dégoûté. On m'a enlevé mon bébé. Oh non, 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 monsieur le CRS, dégage. Ah, son C4. Oh, le chien. Oh, le chien, il a fait le tour. Je le déteste, regardez. Non, t'as pas le droit. Mon pire ennemi, putain. Bon, je fais encore une vie avec la CR et après, on va aller au sniper. Donc, footing, série, stream également. J'ai jamais été autant régulier en stream que le confinement. Moi, le stream avant, c'était toujours une torture. J'en avais la flemme d'en faire, gros. Et depuis le confinement, comme par hasard, Zach, il est là tous les après, mais des fois les soirs. Hein. Ah, bah, gros. Allez. Vas-y, on se la donne. Zach le sniper. Ouh, Zach le sniper. Zach le sniper, cousin. Dites-vous, je suis censé être sur un serveur américain qui lag. Hein. Noscope, biatch! Je suis de bonne humeur! Noscope, biatch! Je suis de bonne humeur alors que vraiment tous les soirs, au moment où je vais dormir, je deviens fou. Moi, tu vois, là, officiellement, c'est quoi? C'est confinement jour 6? Moi, je suis confinement jour 11 ou 10. Alors, c'est nécessaire, hein, on s'entend bien. Je ne discute pas la mesure. Eh oh, viens pas tester les Rafika, cousin. Oh le ch... Je te dis juste qu'en fait, à force de pas sortir, je deviens taré. Hop. Hop. Je sais pas si ma prestation de snipe est en train de se classer dans la catégorie acceptable ou honteuse. Attends, attends, attends. Grenade dans la merde du gars en bouclier, là. Si je fais le kill, c'est magnifique. Chienne de vie. Chienne de vie. Oh. Chienne de clé est mort. Non, t'as pas le droit, cousin. Non, ce jeu était vraiment lourd. Ce jeu était vraiment lourd. J'avoue, j'ai pu être dur de temps en temps à dire qu'il était un peu surcoté, qu'il était pas si bien que ça, parce qu'il avait des gros défauts et tout. Mais 11 ans après, tu te rends compte quand même de la petite pépite que c'était. J'en ai marre, lui, là, c'est bon. Oh, on est en confinement, le type, il dit, je vais jouer bouclier C4, ça va. Ouais, ça le chien, là. Oh. Ok.
Je vais prendre ma série 3. Hein. Sale bâtard. Va. UMP45 silencieux, mon frère. Bon et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et pour ma part je vous dis à la prochaine les frères, bisous.